Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je suis avec MacRitor sur Europa Universalis 4. Je vais dire Total C'est War sur Europa ça. Universalis. Allez, bonjour tout le monde. Ok, allez, reconquête de la Gascogne qui me donne Castus Belli sur Provence et Val-de-Loire. Si tu t'appelles la Provence, vu ce qu'ils se prennent, les pauvres mecs, hein. Ah, mais c'est ce que je vais leur mettre sur la gueule, hein. Prendre Anjou, Aix-Troyes, Haute-Provence, nanana. Ok, la Provence. Ah, mais je crois que j'ai une trousse avec eux. Bon? Ouais, mais ça, campagne blanche peut solder. Fin de la trêve. Oh, fin de la trêve avec Provence. Déclarer la guerre. On va prendre plutôt s'orienter vers l'Anjou. Sienne viendrait, ouais. Oh, la pauvre France. Voilà, on va laisser les vassaux faire. Nous, on va se mettre en bas, on va compter les points. De toute façon, l'autre là, le Bourguignon, il a déclaré la guerre pour choper ce qu'il y a au nord. C'est ça. Donc je laisse prendre ce qu'il y a au nord. Tiens, bah limite, je vais peut-être. Ah! Je vais libérer une province théoriquement où je vais pas me prendre d'attrition. Je vais siéger une province sans prendre d'attrition. Putain, mais la Magnifique. Bretagne, mais regarde-moi la bande de raclures là, tous. Tous en mode, allez, on tape la Provence, ouais! Bah tiens, là, il y a Provence qui s'est pointé chez moi. Regarde, l'armée de Provence. Parce que toi, tu fais siéger, nous sommes bien d'accord. Avignon, c'est bien à toi. Ouais. Ah, bah comme t'es allié. Je me prends pas d'attrition. Je suis en train de te dessiéger ça là-bas. Ok, avec qui je suis en guerre? Avec ça, ça, ça et ça. Ouais, comme ça, l'autre là-bas, la Bourgogne chope le territoire là-haut. Et moi, par contre, je vais prendre mes unités que je vais mettre là-bas. Ben putain, est-ce que je vais arriver à temps? Est-ce qu'il y a de la garnison? 260 hommes? Oh, les mecs, ils rushent comme des porcs, les. Je vais faire un truc également, c'est. Normalement, j'aurai les bonnes relations, je pourrais faire ça. Ma flotte. Putain, elle est où ma flotte qui a fui lâchement? Putain, je vais me faire défoncer moi avec ces conneries. Va te cacher. On s'en bat les couilles. Faire du deux navires. Bon, bah ma flotte, elle est bientôt inexistante. La Provence qui a une plus grosse flotte que la France, quoi. Non, mais sérieux. Ah, nouvelle technologie. Non, on va d'abord faire les. Non, d'abord les militaires. Et ensuite, j'ai oublié de faire le focus, de mettre en focus administratif. Ensuite, j'ai pas légitimé. Fail. Bon, légitime. Aragon n'est plus une grande puissance. Ah ouais, ok. La Provence, on a pris l'Anjou, on a pris ça, on a pris ça. Et il est allié avec qui, Stocard? Ah non, il a la Lorraine. Sienne, tu l'as gobé? Non, pas encore. Enfin, gobé dans le sens. Contre qui t'es en guerre, toi? C'est qui contrôle là? Ah, t'es encore en guerre avec la Oui, Provence, toi? toujours. Je regarde un Bon, ben peu là, une je suis en liste train de de. pape. Je suis en train de siéger sa. En train de siéger sa capitale et de dessiéger Avignon. Nouvelle technologie administrative. Ok, très bien ça. La Ah Renaissance. oui, si, non, si on avait vu aussi un truc avec Sirikai, c'est que un truc maintenant dans les bâtiments qui est bien, c'est quand on va faire des tribunaux. Parce que le coût de gouvernance de la province baisse de 25%. C'est-à-dire qu'en fait, une province. On va prendre l'abri. Vous savez ce qu'on avait dit, j'ai le droit à 400 points. L'abri, 15 de développement. Boum, c'est 15 de coût de gouvernance. Ah, ça y est, je t'ai dessiégé Avignon, poteau. Parfait, ça m'arrange beaucoup ça. Et comme, ouais, en plus, ça me fait pas prendre d'attrition. Donc, la Provence, que je peux sortir la Provence. Bon, attends, ça se trouve, la Provence, ça va bientôt disparaître, là. En tout cas, je vais sortir de la guerre, comme ça, bah, moi je serai tranquille, ça fait un boulet de moins. Putain, Alors. je peux me taper une coalition de l'espace. Pourquoi je peux me taper une coalition de l'espace, sérieux? Il fait pas.
Pourquoi la France aurait une coalition? À part l'Angleterre, Ouais, la j'arrive pas. Bourgogne qui gueule. Ben ouais, alors là, si je fais la paix, bon, là, c'est en gobant complètement la France. Enfin, complètement la France. C'est-à-dire que l'Anjou et les provinces à la con. Limite, je prends l'Anjou, je prends pas l'Aixois. C'est-à-dire que là, je me tape. Ouais, combien? 73? Et je me taperais, ouais, combien ça me fait? 76 d'overexpansion, quoi. T'as pris quel Donc casbelli? T'as pris. la Provence aimerait pas. Mais j'ai que des corps, hein. La Provence aimerait pas, la Bourgogne aimerait pas, l'Angleterre aimerait pas, la Savoie n'aimerait pas. Bretagne, l'Autriche, bah j'ai augmenté avec. Après, techniquement. Non, c'est chiant, il y a trop de monde, quoi. Non, mais ce que je vais faire, je vais pas prendre l'Aixois, qui est en bord de mer et qu'il n'y a que moi qui peux prendre. Je vais sécuriser mes frontières, voilà. Et là, la coalition, il y a qui dedans? Provence, Bourgogne, Angleterre, Savoie. Comment dire? Et je peux prendre toutes ces richesses. Renoncer légitimité sur Maine. Je peux peut-être même lui faire. Non, je vais lui laisser la Lorraine histoire de s'amuser. Avant d'y revenir. Ouais, ben, on va faire ça. Voilà, la Provence a pris un tout petit peu cher. On va Corée. Putain, 115 pour légitimer l'Anjou. Ah ouais, l'Anjou quand même. Pas suffisamment de rivaux. Qui je peux mettre en rivaux? L'Autriche, Castille, Ottoman. Bon, on va mettre l'Ottoman. Allez, c'est bon, on a sorti Gênes. Conquérir la Provence, il manque une province. Une guerre de 100 ans. Ouais, ce sera prochaine guerre. Reconquérir Normandie. Ouais, on se prend un Normandie. T'as des séparatistes siennois là-bas. Bon, je m'en Non, mais occupe. ça, c'est Merde. juste que je viens de conquérir leur pays. Mais Ouais, si tu veux, je peux te. Attends, j'ai un même truc à te faire. Au j'ai un pire. parfait voyelle. T'es où, merde, poteau? Demander l'accès militaire. Voilà, donne-moi l'accès militaire, comme ça, je vais m'en occuper. Ouais, d'ailleurs, tu les défonces. Ce que je fais, c'est que je te vends la Ouais. province d'Avignon si tu veux. Voilà, ouais. Ah merde, je peux pas les engager. Pourquoi? Bah, je sais pas. Je me retourne. Ah, non, Drapeau noir, peut-être t'étais qu'ils drapeau étaient. noir. Ouais. Puis, en fait, j'ai pu passer par Aixois, donc ça m'a mis en exilé. Ah là, je vais les défoncer. On légitime Toulon. Technique diplomatique, non. On va les garder. Voilà, c'est bon. Ok. Cette province, Avignon. Allez, débarrasse-moi, ça se plaît. Hop, merci poteau. Voilà. Ah oui, et maintenant aussi un truc qui est pas mal, c'est les édits. Je sais pas si vous vous rappelez les gens. Avant les édits, c'était une vraie merde à gérer. Maintenant, on se met sur un étal, on voit si c'est un état ou un territoire. Et si on va sur les. Non, compris. Les édits, voilà, on voit quel est l'édit qui est appliqué. Donc quand vous êtes en phase de conversion, Provence doit payer. Ouais, ben, oh, la pauvre Provence, c'est un peu la pute du monde, quoi. Ah, j'ai fini quoi comme mission? Conquérir la Provence. Ah! Comme tu m'as vendu le machin, ça m'a fait ça. Hop, j'ai qu'à subir sur la Bourgogne. Non, on va faire ça. Prochaine étape, c'est la reconquête de la Normandie. Bon. Alors on va voir comment ils sont agressifs moi. Oui, moins 40, moins 24, moins 37. Tiens, ici. Parce que un petit peu alors. Est-ce qu'il y en a qui ne. Non, l'Ulster en priorité à prendre. Diplomatie. Détourner le commerce. C'est vrai qu'on pourrait presque les vassaliser, ces tocards. Ah, je peux les diplo-vassaliser, moi. Je vais peut-être faire ça, en Fais-toi fait. plaisir, ouais. Je vais faire ça, je pense. Donc l'Ulster, ouais, de toute façon l'Ulster il va avoir du. L'Ulster. Donc plutôt Tyrone, est-ce que je peux le diplo? Diplomatie, ouais. Mariage royal, ouais, on va faire ça.
Je me déploie à annexer l'Ulster, je pense. Ouais, je le diplo vassalise, et comme ça je peux m'étendre là-haut en sans avoir besoin d'y être. On s'allie. Voilà. On va lui faire transférer la puissance commerciale. Oh, je lui donne-moi 50% de la puissance commerciale. Il fait vas-y, vas-y, j'ai encore de la marge. Ah bien, la Castille a mis Bourgogne en rival. C'est vrai que j'aurais bien mettre sur la gueule le Bourgogne. Fais-toi plaisir, pas tout. Nouvelle province légitime, ok. On va garantir son indépendance. Ok, et on va améliorer les relations. En fait, dès que tu cliques, on entend le bruit, c'est affreux. Ah merde! Mon micro est si sensible que ça? Ouais. Crafou fouetter à coup de chibre. Moi, je savais que t'allais aimer. Dis pas des choses comme ça, là, franchement, tu vas me. Ouais. Ah oui, parce que le jour, on a oublié de vous dire, hier, sur l'épisode d'hier, enfin, on s'en fout, c'est la même journée, c'est l'anniversaire de Sirikai! Ouais! Mais oui, il est vieux maintenant! Vieux, vieux, t'es gentil, oh! Tu vieux. T'as, le pape qui a 70 piges, qui a un 1-1-2, mais paye ton dirigeant. Merde, c'est là-bas. Ok, Tyron, on a combien? 144? Ouais, ça devrait être bon. Oh, ça va être beau, ça. C'est quoi, ça? Ok. Ouais, putain, j'adore l'Armagnac. Il a le Labour, l'Armagnac, il a le Rouergue et la Barche. Le ouais. Truc, tu te dis, mais paye tes territoires, ça se vote, c'est vraiment l'époque. Des héritages, des mariages. Mariages. Hein. Ouais, c'est ça exactement. Pareil, l'Orléanais, qui va à Angoumois, Blois. Blaison, ouais, l'Orléans, Valois, puis, mais putain, le Nivernais qui est dans le Nivernais et qui est à Rethel. Ok, faut courir le dernier machin. Hop, on légitime la Haute-Provence. Plus de vraie extension et là donc si on regarde 260 je sais pas 208 alors je suis plus enfin bref l'autre là-haut on a 153 on va ramener celui-là ok l'Angleterre jusqu'à quand on a une trousse je vais mettre sur la gueule en 1460 j'hésite presque avec l'anglais à mettre toute mon armée à Pale. Ouais, j'ai peur, non, ce serait con que je me fasse des. Non, je vais plutôt me battre sur mon territoire. Ah oui, j'ai failli faire une connerie aussi, c'est de lui prendre l'effort. Alors que c'est vrai que quand vous faites une guerre, faut pas prendre l'effort sur votre territoire. Ça fait des points de victoire, l'effort. Bah ouais. Donc c'est vrai qu'il faut éviter de les prendre en fait. Ah oui, maintenant on a ça aussi, quand vous êtes sur les états. On peut faire un état avec une seule province et vous avez le nombre d'états que vous avez. Pour l'Auvergne, j'en ai 1 sur 5 et c'est un état. Donc ce serait bien qu'on chope les autres. Ouais, faut qu'on attaque les autres. La Provence, 3 sur 4. Ouais, parce que je suis pas en train de courir. Ouais. On va pouvoir et on voit. Ah, oh, c'est bien ça, on a le détail sur combien ça rapporte. Combien ça coûte. Ouais, la Provence, ça va être. Ça va avoir le coup. 31 développement. Ah ouais, la Provence, au niveau développement, c'est. Ouais, c'est bien. Donc je vais le full corriger. C'est quoi ça? La prospérité. Ah ouais, bien. Ah bon, on a la prospérité en visu, c'est... Allez, le Leinster. Il me reste en plus 34, est-ce que...
je leur demande un accès militaire. Je crois que ça augmente encore le 167. Voilà, on va leur offrir l'accès militaire. On va tout faire avec le avec Tyrone. Et après, on va aller légèrement s'étendre en son nom là-bas. Hop. Ah oui, je pourrais l'influencer aussi. 179. Allez, on y est presque, on y est presque. La réserve militaire. J'hésite à me faire une flotte, mais j'ai pas une thune. Ok, l'Angleterre, j'ai dit c'était jusqu'à quand la trousse avec lui. 1400. Ouf, encore 5 ans. Après, le problème de la Bourgogne, c'est que c'est allié à Volgast, il a Brabant et Hollande en mineur. C'est vrai que j'avais bien lui mettre sur la gueule au Bourguignon. Petite guerre comme ça pour le fun. Pourquoi pas. Je m'occuperai en mettant mes armées. On va les regrouper, on en met une là. Et on va passer par en bas. Non, on va défendre Paris, on va se mettre par là-bas. Ok, je pense que ouais, je vais faire ça. Donc, l'effort. Merde. L'effort, surtout à deux cons, lui, une révolte, les nobles orléanais sont rebés, on s'en fout, on va s'occuper du lyonnais, le lyonnais ça tombe bien, je voulais activer la forteresse, la noblesse orléanais sont, non mais sérieux les mecs, hop. Hop. Oh putain. Perdu mes deux généraux. Ouch. On va s'occuper des de la noblesse orléanaise. T'as écouté construire une flotte de commerce pour réparer la mienne qui est disparue. Ah toi aussi elle s'est fait défoncer ta flotte. C'est ça voilà, j'ai pas surveillé tu vois. Mais c'est du classique, je voilà. Surveille la flotte hein. Moi la flotte, hein, on la mossball, de toute façon. Hop, voilà. Il va kiffer. Oh putain, le Leinster. Le Leinster, je peux. Non, le Tyrone, diplomatie. La vassalisation, c'est où? Proposer la vassalisation. Voilà. Ok, j'ai Corée, donc là on va pouvoir la Provence qui va avoir le coup. Donc ouais, si c'est ça, on était à 260, ah ouais voilà, ça augmente de 23 ma capacité de gouvernance, ça monte à 283. Et est-ce que... Voilà, faut légitimer complètement. Mettons Sainte en quarantaine, la quarantaine on maîtrise un tout petit peu quoi. Contentons-nous de fermer les yeux. C'est quoi ça? Gain de dos corruption? Ouais, on est bien. On va légitimer complètement les provinces. Voilà. Où est-ce qu'il y a des risques de soulèvement? Séparatistes. Ah oui, les séparatistes de Matienne. C'est ça l'histoire, je crois. On peut se mettre dessus. On sait qu'il y a 7000 hommes. Ah, Pale. Ah, ça va me casser les couilles par contre. J'ai combien de transports là-dedans? 8. 8. Hop, on va prendre Louis de Valois, l'héritier. On va le monter, raid sur nos côtes, ouais, la flotte arrive à destination, on attend que la flotte arrive. Détacher les fusiliers marins, putain, on peut voir ça. On les emmène à bord, on les emmène à Pale. Hop. Une doctrine navale, comment dire, de dissuasion. Rameur libre, non, on s'en bat les couilles. Puissance commerciale de la marine, chance de capturer de la navire ennemie. Ça, c'est bien,
Au bout d'un moment, ça sert à rien, vaut mieux baisser le coût d'entretien de la flotte. Je suis d'accord. Donc là, je vais améliorer mes relations avec l'Angleterre. Alors, je sais, tu vas me dire, pourquoi tu fais ça? Pour réussir. Tu as ça aussi, ouais. N'oublie pas, t'as un truc. Quand t'as des séparatistes, tu fais s'en occuper et tu fais pousser à la révolte. Oh oui, il faut croquer la révolte. Hip-hop. Ah, ça, c'est vrai que c'est bien. J'avais oublié ce détail. Putain, ce que c'est bon, ce truc-là. Par contre, je précise une chose. Tu peux pas le faire pendant que t'es en guerre. Hein. Mais je vois que par exemple, t'es une armée ennemie qui pop juste en dessous là. Bah, je te dirais techniquement, heureusement quoi. Alors, Haute-Provence, Toulonnais, donc. Donc, j'améliore mes relations avec l'Angleterre pour que les nobles soient contents, que je gagne de la satisfaction avec eux, de manière à pouvoir. Ah, réforme. Rester mission. Privilège nobiliaire limité, privilège nobiliaire renforcé, ouais. Monien. On va coûter 100 points, modification, influence des nobles. On va légèrement calmer les nobles chez moi parce que c'est un petit peu le bordel. Ouais, c'est vrai que toi t'as les nobles puissants. Ouais, donc on va les calmer, on va essayer d'étendre leur puissance. Donc les Provençaux, Anjou, Haute-Provence, Toulonnais. Les Provençaux en Anjou, ouais, ok, oui, c'est logique. On va voir ça après. Où est-ce qu'ils vont popper d'ailleurs? Anjou et Toulonnais. Ils sont à combien? 60% de révolte. Anjou en Haute-France, ils popent pas en Haute-France. Et si on a dit où? En Anjou. Anjou, niveau développement 15. Et Toulon 12. On va activer la forteresse ici. Là, on va désactiver celle-là. Là. Ici, on va leur mettre un général. Enfin, là-bas. Et on va faire popper les rebelles. C'est la révolte. Les unités. Putain, hasard, il pop où? À l'autre bout. Du Djou. Ouais, pas grave, ça. Bon, même sous cette mission... C'est hyper chiant d'avoir les nobles, ouais. Hyper contents, donc au pire, cette passe d'arbre de mission, je m'en foutre. Alors voyons, on va convoquer aussi, ouais, pareil. Répondre au clair, qu'est-ce qu'il veut les clairs? Champagne, Bannerfield, Scald, au moins 7. Ouais, les nobles, ils veulent quoi? Au moins une province à contrer Ligurie, appartient à France, ouais. Les bourgeois, le Maine, une production de 8. Vous ça me plaît bien, ça, comme option. Le Maine, production 8, ça fait déplacer, développer de 2. Champagne, valeur fiscale de qui augmente de 2, donc de 5 à 7. 6 à 8, donc ça me... Non, on va plutôt faire le Maine. Oh, en plus, c'est du tissu, non. On va plutôt faire ça. Voilà, 800 000 les bourgeois et du fric. Un nouveau pape, le pape... Ça a été réélu. Ouais, je crois qu'il y a une histoire aussi maintenant, c'est... Ouais. Si j'ai bien compris, le pape est plus souvent pape. Ce qui est à peu près logique, quoi. Mmh. Oh, c'est bien, ça, de pouvoir gérer les rébellions. Nouvelle bulle, qu'est-ce qu'on va choisir comme nouvelle bulle? Avignon qui va se rebeller. Bon, on arrive. Enfin, on va faire... Oh, j'adore ça, de pouvoir les faire rebeller, c'est trop bien, quoi. Et c'est parti, ce Provençaux... Le nouveau pape, alors je précise pour le nouveau pape, hein, il est génie tactique. Ah ouais. Parce que ah, les Alléluia, les trucs, les Alléluia, là c'est pas pour lui. Hein. Lui c'est hop, on va faire la guerre. Ah c'est marrant ça. Ah c'est, ça sent vraiment bon cette histoire de soulèvement. Ok, Tyrone, il a des clèmes où ça, Ulster. Ulster allié à Sligo et Munster. Je pense que moi tout seul je peux défoncer ça. Hein. Hop. Ulster, diplomatie. Non, déclarer la guerre. On a Sligo. Et Munster. Ils sont où ces cons? Sligo il est là. Est-ce que Sligo? Les
Bah oh, tiens, la salle viendra pas à la guerre. Elle bouge pas, Florent Chexigavi. Oh, hop, hop. Oh, cardinal là-bas, je valide. Déclarer la guerre. Bouge pas, Florent, je suis plus vérise. Oh bah tiens, il y a la France qui part en guerre aussi. Ouais, mais moi c'est pour aider mon... Bien sûr, bien sûr. Mon... Oui, non mais si, c'est pas pour moi. C'est parce qu'il y a un claim. J'ai rien fait, moi. Ah, j'ai pas rentré la flotte, je suis con. Je voulais pas te le dire. Paye ton plot. Ah merde, j'ai un espion qui se fait des coups en bourg. Ah non, j'ai découvert un espion de la Bourgogne. Ok, voilà, on est plutôt pas mal. En fait, ils ont tous une meilleure flotte que moi. Le monde entier a une meilleure flotte que moi. Les mecs en face, ils ont... Combien ils ont de navires, les tocards? Ah, je pourrais pas le savoir, ça, je crois. Non, je le sais pas, mais ils ont eu une tétrachée de flotte, les mecs. Les rebelles, ça dit quoi? Ben, je crois qu'ils se sont calmés. Il n'y a plus de risque de rébellion. Ouais, il n'y a plus de risque de rébellion chez moi. La stabilité, c'est le truc qu'il faudrait que je pense à faire, ça. Comme ça, ça, on va le refourguer, voir la province. Est-ce qu'il a du claim dessus, le petit Tyrone? Ouais, voilà. En fait, non, c'est Tyrone qui a des claims. C'est pas moi qui fais la guerre, hein. Moi, je suis un gentil dans l'histoire. Conquête française de Ulaid. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour lui, en fait. Pourquoi est-ce que j'ai du mal à y croire, en fait? 9 millions contre 1000. Ah ouais, j'ai défoncé Arménie. Ah, parce que c'est vrai, je prends rien pour la France. Peut-être faire que je pense à annexer. Après, j'en reprends le Bourbonnais qui sert absolument à rien. Ah, si, le Bourbonnais. Non, c'est l'Auvergne qui sert absolument à rien. L'autre, c'est un OPM. Ok. Ah, mais c'est vrai que je peux prendre la garde suisse qui coûte deux fois moins cher, moi, comme mercenaire. Ah, bien ça. Deux fois moins cher à l'achat, deux fois moins cher à l'entretien. T'es en guerre contre qui, toi? Florence et Ferrar. Parce que la Savoie est pas venue dans la guerre, donc du coup, bizarrement... Je peux développer des églises. Le marché, où est-ce que ça... Oh putain, 9,56 à Bordeaux. Et les églises, où est-ce que je peux en faire? Plus 0,26, bon, on va faire une à Paris. Une à Bordeaux, voilà. Fin du siège de Ulaid. Passer par là, notre armée du Jura est parvenue à là-bas. Ouais. Ulster, mais non, Ulster, je vais pas faire la paix avec toi, faut que je chope vite fait la Ulaid. J'ai défoncé l'armée Munster, mais il est où Munster? Il est en bas? Ah, c'est oui, c'est lui, ok. On rassemble, il a combien de sièges? Il a un point de siège, on va aller à Cork. Maroc, la guerre des paysans. Combien d'armées ils ont là-bas? Alors, moi, ouais, 6000 hommes, on va éviter. Qui se passe au Maroc, je vais pas le mentir, mais. Ça bat les couilles. C'est ça! Là, on va leur dire rattachez-vous à moi, les tocards, mais on va dire dans la guerre. Angleterre. Ah oui, il faudra que je pense. Ah oui, bientôt, dans 2 ans, c'est la guerre avec l'Angleterre. Voilà. Pour aller leur mettre sur la gueule. Allez, pour occuper la Normandie. Ok. Donc ça, on donne... Ouais, exactement. On donne à Tyrone. Et ça, tu réussis à vassaliser ou pas en Irlande? Oh, mais t'en gardes, regarde. Hop, là, je prends. Je vais pas donner ça à lui. Donc, je te rappelle que le malus vassaux-puissants, il ne s'applique... Que tant que tu as des vassaux en France. Ah ouais? Ouais, enfin, que tant que tu as des vassaux dont la capitale est en France. Bon, Florence est tombée. Tiens, regarde un peu l'Irlande. Ils ont commencé, les mecs, à dire, mais tiens, mais si nous nous unissions. Quelle bonne idée. Hop, 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 hop.
Hop, hop. Voilà, l'Irlande se développe. Et le tung-dung de fin d'épisode vient de se produire. Donc, on va s'arrêter là, les gens. On vous Voilà. dit bye-bye. N'hésitez pas, on va vous marteler un petit peu au début, hein, à vous abonner, à liker, à partager, faire des commentaires, donner votre avis, laisser des pouces bleus, des pouces verts, des pouces roses, des pouces jaunes, des pouces oranges, enfin, tous les pouces qui sont bien. Et voilà quoi, n'hésitez pas, nous ça nous fait du bien, vous ça vous fait du bien. Bon allez, sur ce les gens, on vous dit bye bye et on se retrouve demain pour la suite de la série. Ciao tout le monde! Au revoir tout le monde.